Bonjour, dans cette vidéo, on va aller faire un peu du jardinage. On va aller faire un tour au potager. Je vais vous montrer ça. On va commencer par ramasser les fraises, il y a de quoi faire là-haut. Parce que là-haut. Après, j'ai les patates là. Combien de rangées? J'en ai une, deux, trois, quatre rangées de patates. Trois rangées de carottes. Après, qu'est-ce que j'ai encore? Une rangée de tomates. Elle est où la rangée de tomates? Hop, elle est là. Après, j'ai une rangée d'haricots derrière. J'ai des piments. Ils sont où? Là-haut, près des tonneaux, là-haut. Et une rangée de concombres et de courgettes au fond. Le camping-car est au fond là-haut, derrière la piscine, il attend la prochaine sortie. Ça va pas être ce week-end. Ça pousse, ça pousse. On n'est que mi-juin. Hein. C'est normal que il n'y ait pas tout qui est sorti encore. Des cerises, ben, y en a. Hein. Les cerisiers là, hop. Bon, c'est un petit cerisier. Il n'y en a pas encore énormément. Mais bon, ça va pousser. À un moment donné, il y en aura plein. Je sais pas combien d'années il a déjà, le petit là. Oh, il y a au moins 3 ans. Et pareil, il y en a, ils sont petites. Ouais, il faut laisser la nature faire. Hein. Ça va grandir. Bon, ça, je les ramasse fin août, début septembre. L'année dernière, je les avais ramassés à la période-là. Pareil pour le poirier, il est trop petit encore. Il n'y en a qu'une, quoi, des poires. Il y en a une là. Mais pareil, ils ont, je ne sais pas quoi d'années. Il faut laisser la nature faire son boulot. Le mirabellier, bah, il est trop récent aussi, hein, d'un canon. Et voilà mon verger. Là où les figues, bah, il n'y en a pas encore, c'est pour la période de septembre aussi. Le potager, la maison au fond, avec la piscine et le camping-car. C'est à quelle heure le dressage? À 9h30. Et là, je vais le ramener dans les champs. Bah, ils vont être fatigués après. Rio, qu'est-ce qu'il a dans la bouche? Qu'est-ce qu'il mange? Je crois que c'est un sabot. Ah ouais, c'est... Jack? Allez, Rio. Jack. Allez, allez, hop! L'eau de la piscine, elle est bonne. Elle est claire. J'ai mis du chlore, j'ai passé l'aspirateur. Bon, il faut que je repasse encore aujourd'hui l'aspirateur au fond de la piscine. Et bon, ça vient bon. Après l'hivernation. Voilà, j'ai fini la récolte des fraises. Là, j'ai pris une bonne panière là. Ben à midi, on a le dessert déjà. Puisque les enfants ils viennent manger. Et il en reste encore. Hein. Dans 2-3 jours, je reviendrai les prendre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une tarte aux fraises? Non. On va les manger comme ça, naturel, avec un peu de sucre. On va taper aujourd'hui. Il est le matin, quoi. Il est même pas 9h30 là. Il fait déjà chaud. Tant mieux, hein. On va mettre le parasol. Et on va manger dehors. Avec des bonnes fraises. On va se régaler. Mmh.
On a bien travaillé ce matin. On va se reposer un peu. Après, on va les laver. Et on va les manger. Ah, ça fait du bien dans la piscine. J'ai mis du temps cette année pour rentrer. Bah, tous les ans, je mets du temps. Mais je suis quand même à nager. J'ai arrivé à nager, à rentrer un peu. Je sais pas combien de temps j'ai mis. Je me mouille. Et après, je me lance. Parce qu'il fait chaud dehors. Mais bon, la première fois, ça, c'est plus dur. Allez, demain, ça va aller mieux. Demain matin, j'ai mis un défi. Avant de manger, le matin, tôt. Vers 11h, 11h30, je rentre dans l'eau. Oh la vache, elle est bonne, hein. Rio, hop là. Oh la vache, maintenant elle est bonne, hein. Après, c'est la deuxième fois que je rentre, hein. La première fois, oh la vache, elle est bonne. Oh, je suis sûr que demain, je vais mettre du temps aussi, sûr et certain. Mais là, la deuxième fois, il ne faut pas le temps que je me mouille et tout ça. C'est bon, c'est bon ça. Avec la canicule, hein, vive. La piscine, malgré qu'elle est petite, mais bon, ça dépend. Après, ce n'est pas les grandes piscines, mais ça permet d'en apprécier, de se rafraîchir et tout. Hein, Rio, hein. Même du sous l'eau, on va faire. Hop, la tête sous l'eau, allez hop. Vive les piscines, oh, il fait chaud. Hop. Mario, Sandalette. Ah, on va sécher. Non, mais même pas, il n'y avait pas besoin de sécher. Hein. Mario, viens. Hop. Allez, viens. T'es prêt à sauter? Allez, hop. Hop là. Hop là. Allez, rafraîchis-toi, Rio. Hop. T'as le droit de rafraîchir aussi. Hein. Allez, Rio. Elle est bonne? Tu veux rentrer dans l'eau? Ça fait du bien, une petite piscine comme ça, quand il y a la canicule, ça rafraîchit. Malgré qu'on fait les allers-retours facilement. C'est pas assez grand, mais au moins ça rafraîchit. On va s'allonger maintenant. Et on va faire bronzette. Non, c'est pas mon style. J'aime pas faire bronzette. Je suis content de mon parasol. L'achat que j'ai fait. C'est les 3 mètres là, les grands. Bah, il y a aussi le plus grand, hein, 3,50 m, 4 mètres, je crois. Et je l'ai payé 129 euros. Prix au cash. Mais dès qu'il y a un peu de vent, ça bouge. Hein. Comme il n'est pas axé, le main, il n'est pas axé au milieu. Il est sur le côté. Bon, là, il n'y a pas du tout de vent, alors ça va. Après, il y aura des arrêts sur la route. Hein, mais ça sera dans le coin là. Tout va se passer là. Bah, tu vois, ça va encore. C'est pas la frontière française. Ah bah ça va. C'est ce que je voulais regarder en plus. Il y a une autoroute gratuite de Bilbao jusqu'à Santander. Bah, même à partir de Irún. Non, il y a un petit morceau. Jusqu'à Saint-Sébastien, je crois qu'il y a de la nationale et l'autoroute. Et après, de Saint-Sébastien, bah ça va. Jusqu'à Santander, maximum, et ça sera amplement suffisant, ça va être dans la côte là, quoi. Là, c'est décidé, j'ai bien planifié et tout, ça va être superbe. Voilà, la vidéo du potager est finie, et de la piscine.
À la prochaine, les amis.